Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va être une vidéo sur une base de la couture. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Ça se passe juste en dessous, on clique sur s'abonner, la petite cloche, comme ça on est tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et en plus de ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et sachez que je suis également formatrice. Donc si vous voulez débuter la couture, que vous ne vous y connaissez pas, je vais y arriver, avec les bases de la couture, j'ai prévu une formation gratuite pour vous. C'est une formation de 2 heures sur les bases de la couture. Et vous pouvez retrouver dans la description juste en dessous de la vidéo le lien pour pouvoir vous inscrire à la formation gratuite. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, moi je serai vous, j'irai maintenant tout de suite hein. Voilà, donc ici qu'est-ce que je veux faire dans cette vidéo? Je vais vous montrer tout simplement comment réaliser ce petit ourlet laitue. Alors là j'ai fait sur un tout petit échantillon, mais je vous mettrai une photo de ce que c'est un ourlet laitue si vous ne voyez pas ce que c'est. Alors à quoi peut servir un ourlet laitue? Tout simplement, un ourlet laitue, il peut servir comme finition pour une encolure, il peut servir pour une finition d'emmanchure. Je mets ici comme un t-shirt, mais ça peut être en bas aussi. Ça peut également finir le bas d'une jupe, le bas d'une robe, en fonction de son rendu qu'on veut lui donner. Alors, la plupart du temps, on réalise les ourlets laitue à la surjeteuse. Pourquoi? Parce que la surjeteuse a ce point en plus que la machine n'a pas, entre guillemets, c'est que sur la surjeteuse, on a deux griffes d'entraînement, une derrière, une devant, qu'on va pouvoir régler avec notre différentiel, et donc ça va permettre de tirer le tissu tout simplement, directement, c'est la machine qui va tirer le tissu directement, et donc qui va faire l'ourlet laitue à la surjeteuse. Tandis qu'ici, à la machine à coudre, on n'a pas ce pied à double entraînement, donc on n'a pas les griffes qui vont tirer le tissu d'une certaine façon pour pouvoir le rendre élastique et pour pouvoir le rendre également comme ceci, gondolant. J'espère que ça se dit gondolant, dites-moi en commentaire. Je suis pas sûre qu'on dit gondolant, mais voilà, vous avez compris qu'il gondole du moins. Donc voilà, donc comment on va faire pour réaliser ça à la machine à coudre, et pourquoi je vous montre à la machine à coudre si on peut le faire à la surjeteuse? Tout simplement parce que tout le monde n'a pas une surjeteuse chez soi. C'est un petit budget si on prend une entrée de gamme et un plus gros budget si on en prend une autre. Donc du coup, bah, ici je voulais vous montrer comment faire avec la machine à coudre, parce que la plupart du temps, ça, tout le monde en a une chez soi. Et honnêtement, avec n'importe laquelle des machines à coudre, vous allez pouvoir réaliser cet ourlet. Alors tout d'abord, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir un tissu extensible. Que ce soit du jersey, du stretch, peu importe, il va falloir un tissu avec de l'élastane dedans. Donc un tissu comme celui-ci, vous pouvez voir, qui est extensible. Ça, c'est très important. Vous n'y arriverez pas sur un tissu qui est rigide. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une aiguille adaptée du coup à votre tissu. Donc si c'est un tissu jersey, on prend une aiguille jersey. Si c'est un tissu stretch, on prend une aiguille stretch. Donc très important d'adapter correctement l'aiguille à votre tissu. Et ensuite, pour les réglages, personnellement, je conseille tout le temps de faire un test avant de commencer sur votre vêtement, sur un déchet de tissu, voilà, comme par exemple sur un petit carré comme ici, vous faites un test avant pour les réglages. Mes réglages à moi, personnels, ça dépend d'une machine à l'autre bien entendu, sont les suivants. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de la longueur du point, je suis sur 0,5. Donc c'est vraiment très très serré, parce qu'il faut vraiment que votre point soit le plus serré possible. Ensuite, on se met bien entendu en point zigzag, pas en point droit, ça c'est très important. Et au niveau de la largeur du point zigzag, on va se mettre entre 1 et 2. Ça va dépendre de votre machine. Une fois que vous avez fait tous les réglages, vous allez pouvoir passer à la suite de la vidéo, c'est-à-dire à la pratique. Pour piquer à la machine, vous devez juste plier sur 2-3 mm en dessous pour faire l'ourlet. Et ensuite, on va tirer devant et derrière, et c'est parti.
avez vu que pour réaliser l'ourlet laitue à la machine à coudre, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste bien s'appliquer, bien plier correctement le tissu, y aller tout doucement. On n'est pas pressé pour faire des ourlets, donc voilà. Vaut mieux qu'il soit bien fait, parce que honnêtement, défaire un ourlet de ce type-là, c'est-à-dire ultra serré en point zigzag, voilà, vous savez ce que j'en pense, c'est la galère. Donc c'est mieux de réussir du premier coup, si pas c'est pas grave, tout simplement comme l'ourlet est tout petit on peut recouper la première fois, si pas on peut découdre, mais voilà c'est un peu plus long, plus compliqué, mais si on s'applique correctement la première fois, l'ourlet sera réussi et sera juste très beau et on n'aura plus rien à faire, on n'aura plus qu'à porter notre vêtement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissiez déjà cette technique, dites-le moi dans les commentaires. Si vous utilisez une autre technique, dites-le moi également dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt.